Juste avant que cette vidéo commence, je voulais te montrer quelque chose que j'avais retrouvé. J'avais même mis des photos sur Instagram il y a pas mal de temps. Ah, il faut. Tonton Snake, en fait, c'était un grand cinéphile, un grand geek. Ça prend pas longtemps, je vais pas t'embêter, t'inquiète pas. On va très vite ou je zappe vite fait la vidéo. Je voulais te montrer. Regarde. Regarde ça. Ça n'a rien à voir avec la chaîne, hein, mais je m'en fous, je voulais te montrer ça. Alors, il y en a certains peut-être qui ne doivent même pas connaître. Pas Retour vers le futur, ça, j'allais dire on s'en fout, mais non, on s'en fout pas, c'est génial Retour vers le futur. Eh, sans déconner. Oh, oh, une cassette. Une cassette. Maintenant, il faut que je trouve le magnétoscope et la télé pour brancher le magnétoscope dessus. Le boîtier. Oh, il faut... Franchement, il y a des choses comme ça, même si ça n'a rien à voir avec la chaîne YouTube, je voulais vraiment te partager ça vite fait. Après, on va parler de... On va pas... Ouais, c'est juste énorme. Ça, cassette. Maintenant, nous sommes au Blu-ray. Voilà, ça, tu connais, je t'apprends rien. Je suis allé, vite fait, hein, j'en ai pas pour longtemps. Je suis allé en magasin la dernière fois, au centre-ville, tout ça. Je suis allé me balader en famille. On est allé à un magasin style la Fnac ou je sais plus trop qu'est-ce que c'était. J'ai vu une télé, alors je veux pas dire de bêtises hein, parce que j'ai pas pris note ni rien. Sur le moment, s'il faut, c'est une grosse bêtise, mais je crois que si. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que la télé c'était marqué 8K. 8K la télé. 8K la télé. Une puissance de malade. Le truc, c'est. Je suis sûr que dans Retour vers le futur, ils n'ont jamais vu ça. 8K la télé. On a du mal à développer la 4K actuellement. Sur YouTube, on voit pas beaucoup de vidéos en 4K. Et là, il y a des télés 8K. 8K. Tonton, quand tu vas aux toilettes, j'arrive à faire 1, 2, voire 3 caca. Mais 8K. 8K, j'ai jamais réussi. Et je la garde ou je la coupe, celle-là? Franchement, elle est trop... Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui et on se retrouve pour une nouvelle aventure. Alors j'ai décidé de prendre l'histoire de Laetitia qui m'a beaucoup marqué. Laetitia c'est une Lyonnaise qui vit seule et qui a toujours vécu seule. Voilà, elle est peut-être célibataire. Si t'es dans les commentaires, tu peux toujours laisser un petit message. Peut-être qu'il y aura du monde intéressé. L'espace commentaire n'est pas un club de rencontres. Même si je sais que certains couples se sont formés. Et oui, oui, ne me dis pas le contraire. Laetitia vit seule dans un appartement au cœur de Lyon. Un beau jour, elle se promena pour aller chercher son pain. Voilà, le matin, elle va chercher son pain, Laetitia. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher leur pain le matin. Et Laetitia, pour aller chercher son pain, passe devant un petit pont. Et elle a entendu un genre d'aboiement bizarre, un genre d'animal plutôt en train de pleurer, un peu un cri à hurler à la mort, mais elle n'avait pas compris sur le moment que c'était un chien. Elle a regardé en bas du pont et elle s'est aperçue qu'il y avait un chien qui rampait à peine sur le sol. Parce qu'en bas du pont, il y a de l'eau. Mais il y a une structure bétonnée. Et en plus, ce jour-là, alors je sais pas où, moi, je suis jamais allé à Lyon de ma vie. S'il faut, tu vois très bien l'endroit. Moi, je ne connais pas du tout Lyon. Mais à cet endroit-là, elle a pu descendre en bas du pont, récupérer l'animal. Et c'était un petit chien. Un petit chien adulte, mais de taille petite, genre style bâtard. Le chien, alors accroche-toi bien, parce que moi, ça m'a un peu bouleversé cette histoire. Le chien avait une oreille coupée. Une patte complètement cassée, mais la patte était cassée, genre fracture ouverte, il y avait du sang, c'était horrible. Les gens, ils ont beau passer, ils en ont rien à foutre. Que Laetitia a eu ce réflexe d'essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Que la plupart des gens continuaient leur chemin. Il y en a qui regardaient au-dessus du pont quand elle était en bas, personne n'allait l'aider, voilà. Laetitia a été outrée de tout ça, quoi. Elle a porté le chien qui montrait aucun signe d'agressivité et elle l'a amené en urgence chez elle. Elle aurait pu l'amener à un service vétérinaire ou quoi, mais Laetitia va chercher son pain à pied. Elle n'avait pas de moyen de transport sur le moment, donc elle a préféré amener le chien chez elle en appartement. La première chose qu'elle a fait, c'est administrer des soins basiques. Ça veut dire du bandage, du bandage, du bandage, du sparadrap, du bandage, du bandage, du bandage. Oula, ça c'est pas la même chose. Du sparadrap, etc. pour pouvoir essayer de combler un petit peu ses blessures. Oreille coupée, sûrement pour le tatouage, parce que les chiens, soit on les tatoue à l'oreille, soit ils ont une puce, etc. Là, l'oreille était coupée, on a compris le délire. Derrière, la patte pétée avec la fracture, sûrement que le mec a coupé l'oreille du chien et l'a balancé par-dessus le pont pour pouvoir s'en débarrasser. Vraiment,
la saloperie, mais monumentale. C'est même pas un être humain, c'est un monstre d'avoir fait ça. Vous vous imaginez un peu le délire dans la tête du mec? Il a voulu se débarrasser d'un chien. Le mec ou la femme, hein, je sais pas. On a tout le temps le réflexe de dire homme. On sait pas, on n'a jamais retrouvé la personne qui a fait ça. Mais s'il faut, c'était une personne. C'est possible que ce soit une femme qui ait fait ça. Même si moi, dans ma tête, je pense direct à un mec. Pourquoi? Je sais pas. Les mecs sont pas forcément plus mauvais ou quoi que les femmes. Je pense qu'on est pareil. Mais c'est vrai que j'avais pas tité avant de faire cette vidéo. J'ai dit le mec, mais ça peut être aussi une femme. Une personne, voilà, entre guillemets, une personne a coupé l'oreille du chien et l'a jeté vivant par-dessus un pont. Le chien, en tombant au sol, parce que forcément, il n'est pas tombé là où il y avait l'eau, quand il tombait ensemble au sol, il s'est complètement pété la patte. Il avait des multiples fractures sur lui. Il pleurait, il hurlait à la mort. Et du coup, Laetitia a retrouvé ce chien. Donc, elle l'a amené chez elle, elle a administré des soins, elle a essayé de faire un bandage sur la tête, la patte, partout, les côtes, tout. Le chien était foutu, quoi. Enfin, franchement, il n'y avait plus rien. Franchement, imagine l'état du chien, là. Il est dans un état, ça craint, il laisse tomber, quoi. Et là, elle a décidé de l'amener à un service vétérinaire. Alors, elle savait qu'elle allait payer plein pot de sa poche, mais tant pis, objectif, sauver le chien. Ou le faire piquer, faire quelque chose pour qu'il arrête de souffrir, quoi. Soit on le guérit, soit on le tue, on fait quelque chose. Parce que là, il est dans un état, laisse tomber, quoi. Plusieurs radios, alors multiples fractures sur les côtes et les flancs, là, sûrement les côtes. Une patte fracturée, les côtes fracturées, l'oreille coupée, voilà la gueule du chien, quoi. Il est resté plusieurs jours, donc, chez le véto, hein. Là, elle n'a pas pu le récupérer le soir même. Ils ont passé plusieurs radios, ils ont fait des tests de je sais pas quoi, ils ont administré des soins en urgence, ils ont fait passer des tuyaux à l'intérieur des narines pour qu'ils puissent mieux respirer et tout. Ils ont eu des traitements lourds, il y a eu opération. Le chien a coûté à Laetitia plusieurs milliers d'euros. Voilà, le chien a été sauvé, il a présenté donc des séquelles à vie, forcément. Il s'est mis à boîte à vie, il y a une patte où il avait carrément perdu l'usage de sa patte, il se retrouvait avec une oreille en moins, voilà, des choses comme ça. Et elle l'a gardé en appartement. Alors je te dis ça maintenant parce que Laetitia a 35 ans, mais Laetitia quand elle a trouvé ce chien, c'est quand elle avait 20 ans et qu'elle venait d'aménager en appartement. Elle a réussi un petit peu à gratter un petit peu ses parents pour avoir de l'argent pour le chien. Parce qu'elle voulait absolument qu'il vive et non le faire piquer, ce qui aurait revenu beaucoup moins cher. Forcément, c'est la solution de facilité. Le chien, il souffre, on n'a qu'à le faire piquer, de toute façon, il est foutu. Derrière, ça coûte beaucoup moins cher, on n'en parle plus. Et le chien a vécu 8 ans avec Laetitia dans son petit appartement. Je trouve que cette histoire, elle est juste énorme. Je fais de gros bisous à Laetitia, je la remercie énormément. Ça fait super plaisir. Alors, je sais pas toi ce que tu en penses. Après, vu l'état du chien, ça ne devait pas faire si longtemps que ça qu'il avait été balancé. Elle, elle est allée chercher le pain le matin. Donc, s'il faut, ça s'est fait dans la nuit. Ce qui est malheureux et triste dans cette histoire, c'est que la personne qui a fait ça n'a jamais été retrouvée. Alors, les points positifs, forcément, c'est que le chien a survécu et il a fini ses jours chez Laetitia. Il devait avoir un certain âge, mais enfin, dans tous les cas, il a vécu 8 ans chez Laetitia. Alors, moi, je dis respect, bravo à Laetitia qui, aujourd'hui, s'est acheté un petit bichon frisé. Je trouve que c'est vraiment incroyable comme l'espèce humaine peut être capable de choses horribles. Hein. Il faut dire la vérité, franchement, il y a des êtres humains qui sont plus, c'est des monstres. C'est même plus des humains, c'est des monstres. Et il y a d'autres êtres humains qui sont capables de faire des choses merveilleuses. N'hésite pas à me contacter sur ma boîte Gmail. Il y a une adresse dans la description de toutes les vidéos de la chaîne. C'est une adresse business contact. Tu me contactes là-dessus pour, si tu veux, me raconter ta petite histoire qui t'est vraiment arrivée. Si possible, j'aimerais des histoires vraies. Je manque cruellement de photos. La plupart des gens ne donnent pas leur prénom, leur âge. C'est très rare quand j'arrive à avoir des photos. Alors, surtout, n'hésitez pas à mettre des photos, votre prénom, votre âge, votre situation, où vous vivez, plus ou moins. Voilà, je veux pas le nom de famille, je veux pas des trucs personnels. Mais dans la globalité, avoir une idée d'où vous venez de France, l'histoire la plus dingue qui vous est arrivée dans votre vie. Si possible que ça parle de nature ou d'animaux, vous pouvez toujours me mettre ça dans la boîte Gmail. Et peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur ton incroyable histoire. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Mettre un petit pouce bleu, ça serait possible, ça serait génial. Un petit commentaire et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao !